Bonjour, euh, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de votre présence et euh, de vous êtes rendu disponible pour euh, ce moment d'échange. Euh, merci au Okaji euh, de cette invitation. Merci de, de m'accueillir. Alors, je vais juste euh, essayer de partager mon écran pour euh, vous proposer donc une euh, intervention d'une petite demi-heure, je dirais, euh, sur la thématique des inégalités femmes-hommes en Guadeloupe. Euh, effectivement, comme Canel l'a dit, merci beaucoup Canel pour cette introduction, je travaille sur les rapports sociaux de sexe et sur la question du genre. Et euh, j'ai réalisé un certain nombre d'études, mais là, aujourd'hui, je vais vous proposer une synthèse d'études différentes. Euh, qui ne sont pas... Euh, alors, certaines sont les miennes, d'autres ont été réalisées par des collègues. Et euh, comme c'est un webinaire grand public, je me suis dit que ça pouvait être intéressant justement de vous proposer une, une, une synthèse de plusieurs, euh, plusieurs recherches. Euh, cette participation, euh, attendez, comme je n'ai pas encore commencé, je reviens à vous. Euh, cette intervention s'inscrit effectivement dans ce qu'on appelle maintenant le mois euh, du droit des femmes. Donc, euh, évidemment, je rappelle que c'est pas le 8 mars euh, n'est pas la journée de la femme, n'est-ce pas C'est la journée des droits des femmes, euh, qui rappelle la nécessité de lutter pour euh, les droits des femmes et pour euh, euh, leur permettre euh, d'accéder à un statut euh, de, de citoyenneté égal par rapport aux hommes. Donc, je vais y revenir. Et euh, mon objectif, c'est de proposer une lecture de ce, qui de ce qui se joue en Guadeloupe. Donc, je vais euh, euh, revenir un peu sur l'histoire des mobilisations, des luttes euh, des femmes depuis euh, la deuxième moitié du XXe siècle. Et ça, ça sera ma première partie pour ensuite questionner les enjeux contemporains et les droits qui restent à conquérir, les difficultés que les femmes rencontrent aujourd'hui. Et en concluant sur le risque d'un éventuel backlash, ce qu'on appelle le backlash, vous expliquez, expliquerai de quoi il s'agit. Donc je reviens à mon PowerPoint. Euh, le, le des droits donc pour les femmes, pour qui, pour les femmes et pourquoi Parce que souvent les femmes passent au second plan dans l'histoire et dans la société même si elles sont centrales dans la vie familiale et dans nos sociétés dans l'histoire de l'esclavage, elles sont aussi les premières victimes des hiérarchies socio-raciales et économiques euh, depuis De longue date. Et euh, ce que l'on observe, c'est qu'elles ont pour autant mis en place des stratégies, les femmes ont mis, ont mis en place des stratégies pour euh, faire face à ces à différents rapports de domination, pour faire face à la précarisation. Et qu'aujourd'hui encore, elles développent des stratégies euh, d'adaptation, d'empowerment pour euh, essayer de, de lutter contre ces inégalités. Euh, les femmes sont très présentes dans l'espace domestique, mais aussi en tant que travailleuses, en tant qu'ouvrières souvent assujettis et dominées pendant l'histoire de l'esclavage mais aujourd'hui encore cantonnées dans des métiers liés à la précarité ou dans des métiers à temps partiel j'y reviendrai et puis surtout elles ont été surexploitées surviolentées euh, n'oublions pas euh, la pratique récurrente des viols dans l'histoire des antilles mais aussi des violences sexuelles qui perdurent. Et pourquoi euh, aller vers une égalité de droits? Euh, ben, si la question se pose c'est que on est encore dans une situation d'inégalité mais ça veut dire surtout que les hommes euh, ont le privilège d'avoir des droits que les femmes n'ont pas et donc leur lutte la lutte des femmes a consisté à demander à être traitées devant la loi comme les hommes et donc à revendiquer une égalité être égaux devant la loi avoir les mêmes droits c'est l'objet de ce combat c'est inscrit dans la constitution française depuis 1946 dans la déclaration universelle des droits de l'homme depuis 1948 et euh, c'est bien une question d'égalité de droit. Donc, je, je le précise parce que souvent on me dit, oui, mais ce n'est pas vrai, les hommes et les femmes ne sont pas égaux, ils sont différents, euh, ce n'est pas de l'égalité, c'est de l'équité qu'il faudrait mettre en place. Alors, je, je reviens sur les termes. La différence, nous sommes différents et nous sommes différents entre femmes, nous sommes différents entre hommes et nous sommes différents entre hommes et femmes, mais un corps différent, euh, des, 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 des différences biologiques ne devraient pas... Euh, euh, se traduire par une inégalité de traitement ou de droit. L'égalité n'est pas l'identité, on est d'accord, nous ne sommes pas identiques. L'égalité s'oppose à l'inégalité et, et si je reprends la formule mathématique, ce n'est pas parce que A est différent de B que A doit être inférieur à B. Donc c'est cette question-là qui est en jeu. Alors si je reviens sur les luttes des Guadeloupéennes, elles, elles se sont battues de, dans, la, dans une lutte de longue date historique contre l'esclavage. Elles ont participé au marronnage, pour autant qu'il ait, qu ait, euh, qu ait eu lieu en Guadeloupe. Elles ont été des résistantes du quotidien. Elles ont utilisé le système de l'intérieur, et j'en revends aux travaux de Myriam Cotias, d'Arlette Gauthier notamment, euh, notamment par le métissage, le concubinage, le mariage, hein, pour essayer de sortir, de trouver de l'émancipation sociale elles ont aussi été des combattantes pour les émancipations de 1794, de 1848 ou contre le rétablissement de l'esclavage de 1802, même si on sait bien que la figure de Solitude est une figure légendaire hein, dont on sait très peu de choses et on a construit un mythe autour de Solitude qui d'ailleurs mérite d'être déconstruit parce que c'est un, un mythe qui impose une injonction à la résistance et qui laisse croire à une espèce de filiation quasi naturelle et biologique des, des femmes guadeloupéennes depuis Solitude. Euh, qui, qui aurait une, une capacité de résistance, mais je le déconstruis ce mythe en, en m'interrogeant sur cette injonction à la résistance qui est euh, du coup faite euh, aux femmes et sur le, 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 comment dire, la matrice nationaliste qui euh, préside à l'établissement de ce mythe. Alors, je renvoie aussi aux, aux travaux de Clara Palmiste hein, qui a montré notamment comment les femmes se sont organisées dans des secours mutuels comment elles ont euh, lutté pour l'égalité des droits, sur, sur certaines, thématiques, certaines thématiques parfois en étant pionnières, mais aussi euh, comment elles ont combattu toutes les inégalités, notamment les inégalités intersectionnelles. Je vais y revenir. Alors, je, je commence avec un petit extrait, euh, je vais vous le lire même si ça a l'air long, de Discours du gouverneur Saurin en 1942. Donc, cette époque, En temps longtemps, En temps Saurin, hein, euh, qui était euh, les, sous le gouvernement de Vichy. Et qui, euh, à l'occasion de la fête des mères, adresse aux femmes guadeloupéennes ce discours. Être une mère française ne consiste pas à donner la vie au gré des hasards à beaucoup d'enfants qui n'ont pas le même père. Être une mère française ne consiste pas à laisser pousser ses enfants au hasard, sans hygiène, sans hygiène du corps, sans hygiène de l'âme, dans une case mal aérée, mal lavée, mal tenue, dans le bruit de disputes, dans le murmure de commérages, dans le fiel des rancunes. Vous voyez c'est tout autant de thématiques sur la question de l'hygiène et euh, de la moralité euh, des familles qui ne sont pas d'aujourd'hui. Au contraire, dans cette époque où travail, famille, patrie était le, le slogan de l'État, évidemment, c'est au cœur des choses. Être une mère française ne consiste pas à donner à ses enfants un seul amour, celui de l'argent, un seul moyen à la paresse, une seule distraction, l'immoralité. Alors, on voit bien comment euh, la construction de la maternité à la française s'oppose à un constat. Stigmatisant euh, l'immoralité et euh, des maux euh, sociaux euh, que les familles antillaises porteraient. Car aujourd'hui, plus que jamais, être une mère française, c'est d'abord et avant toute chose se constituer un foyer légal et chrétien c'est d'avoir un mari qui soit le père des enfants que l'on met au monde c'est être pour ce père une compagne agréable, dévouée, aimante et loyale savoir le détourner. J'ai des hommes à côté de moi qui acquiescent. <laughs> savoir le détourner du cabaret du pit où l'homme se ruine la santé et le porte-monnaie, c'est le faire aimer son foyer. Donc euh... <laughs> pardon vous voyez que se construit à travers ce discours et on peut s'interroger sur sa prégnance et sur sa diffusion dans la société antillaise, mais en tout cas se construit la norme de la, de la, de la maternité et euh, de la maternité à la française hein, dans une norme chrétienne légale, euh, inscrite donc dans, dans l'idée le, 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 de la construction de la société de la nation à la française contre tout ce qui euh, déjà est fustigé euh, comme étant euh, impropre à l'équilibre euh, sociétal, c'est-à-dire la monoparentalité, euh, le fait d'avoir plusieurs euh, pères pour ses enfants, euh, le, la paresse, euh, l'oisiveté et surtout ça construit le rôle de la femme sur qui doit reposer tout cet équilibre familial, tout l'équilibre social, celle qui doit être dévouée et sacrifiée pour son mari, pour la famille et pour la société, c'est-à-dire l'air de rien, le rôle du poteau mitant. Et euh, je vais vous parler de Georges Tarer qui disait qu'effectivement, dans les années 50-60, quand les, euh, les ministres venaient en Guadeloupe, ils disaient aux femmes, Mesdames, vous êtes des poteaux mitants et euh, les enjoignaient à, à tenir ce rôle. Alors, donc, je vous ai dit, je, je, je vais m'interroger sur la façon dont les femmes ont résisté à tout cela à travers euh, deux, deux parties principales, la cause des femmes depuis l'UFG UF, et aujourd'hui les droits qui restent à conquérir alors si je regarde justement la cause des femmes guadeloupéennes à la deuxième moitié du xxe siècle, elle est marquée évidemment par l'union communiste des femmes de guadeloupe, qui est créée en 1958, en prenant euh, son autonomie par rapport à l'union des femmes euh, de france. Euh, sont présentes dans cette euh, union, euh, dans cette euh, structure associative, D'obédience communiste des femmes dont les conjoints euh, sont euh, impliqués dans le parti communiste. Je euh, Vous connaissez évidemment Gertie Archimède, avocate, qui euh, justement se mobilise pour l'éducation populaire, donc contre les inégalités sociales, pour faire des femmes guadeloupéennes des citoyennes majeures et pour les émanciper par rapport aux hommes, que ce soit leur père, leur mari. Euh, leurs frères grâce au travail. Et c'est elle-même d'ailleurs qui a dû se battre hein, pour réussir à travailler contre la vie euh, de son père. Euh, elle conseille Angela Davis et ça c'est important de le souligner parce que ça veut dire qu'il y a une circulation des idées féministes, anticapitalistes, antiraciales entre différentes structures internationales. C'est Huguette Daninte qui est décédée euh, il y a quelques mois, qui fut la première présidente de l'UFG et qui avait comme objectif de combattre la misère des femmes. On voit la lutte là pour. Euh justement euh, euh, la lutte contre euh, la précarité la lutte contre les inégalités socio-économiques en permettant à toutes l'accès à l'éducation à la sécurité sociale pour toutes parce que à l'époque toutes les femmes n'avaient pas droit à la sécurité sociale et progressivement ce n'est pas tous les secteurs d'emploi de, qui auront accès à la sécurité sociale du coup à l'emploi salarié pour toutes les femmes. Euh, quelques éléments sur euh, le, le, le premier document euh, du, de l'UFG qui insiste sur le fait qu'un changement dans le statut euh, juridique de la Guadeloupe vers l'autonomie avec une assemblée locale formée de dirigeants guadeloupéens qui prendraient en main la destinée de notre pays et la condition primordiale pour permettre à la femme guadeloupéenne de remplir son rôle de mère et de travailleuse. Donc vous voyez que la question du statut juridique et de l'autonomie de la Guadeloupe ne date pas d'hier et que là le combat politique pour cette autonomie est associé à l'émancipation des femmes. Euh, mais une émancipation qui leur permettrait quand même d'être des mères et des travailleuses. Donc vous voyez qu'il y a une convergence, et ça c'est intéressant de le souligner, il y a une convergence des luttes euh, dans le dans le comment dire, le combat de l'UFG. Alors dans les figures de l'UFG, évidemment, Monacados, qui est euh, toujours vivante, qui souligne que le, le combat de l'UNG, c'était contre toutes les inégalités. Euh, mais que, en fait, c'était pour changer la société au bénéfice à la fois des femmes et des hommes. Pour elles, il ne fallait pas opposer les femmes et les hommes, ce que les féministes ne veulent pas faire, hein, mais c'est parfois impensif, euh, sans précision de couleur ni de race, pour permettre l'accès au droit, à la politique, favoriser le développement social et culturel dans une Guadeloupe autonome. Et euh, pour elle, ce qui était important aussi, c'était de, de construire la dignité, la solidarité, la respectabilité des femmes. Elle insiste sur leur verticalité. Elle défend la figure du potomitan qui est mise à mal par d'autres, au motif que cette verticalité des femmes était ce qui leur permettait justement de faire tenir les familles. Et dans le discours de Monacados, ce qui est très intéressant, c'est que la cause communiste l'emporte sur la cause féministe. Euh, J'ai eu l'occasion de faire des entretiens avec elle et je vous renvoie à un article qui est paru dans la revue Recherche féministe qui s'appelle Peut-on être guadeloupéenne, potomitant et féministe, qui date de 2021, où je vous renvoie aussi à la thèse de Swazik Brohan qui, euh, justement, travaille sur euh, la question des causes, enfin, la, la cause des femmes et comment la cause féministe l'emporte parfois sur la cause, la cause communiste l'emporte sur la cause féministe. Alors, sur la question du potomitant, Georges Tarer, par contre, qui était aussi dans l'UFG... Elle euh, est une fervente euh, opposante aux au potomitans. Son travail a consisté, en tant que sage-femme, à essayer d'améliorer la maternité, le rapport au corps, à la sexualité des femmes guadeloupéennes. Dans une Guadeloupe marquée encore par l'insalubrité dans les années 60-70, l'assainissement n'avait pas encore été mis en place, le, la, la ma, pointe à pitre était encore très marécageuse. Et donc, il s'agissait de, de, de lutter contre cette mortalité périnatale et, et la, la, le fait que beaucoup de femmes mouraient en couche. Elle souligne combien les femmes étaient l'esclave de l'esclave, les dominées des dominés. Donc, elle, elle dénonce la, la condition des potomitants. Elle a une posture féministe, mais elle défend la respectabilité et les normes conjugales. Et dans un exemple, elle me rappelait combien il n'était pas bien vu à l'époque pour les hommes d'être gentils, d'être aimables avec leurs femmes, et notamment parce que sinon, ils étaient considérés comme des, des imbéciles, des tabets. Et elle me raconte toujours l'exemple de la tête de poisson à table, que les hommes mangeaient les poissons, ils laissaient la tête qu'ils euh, qu euh, jetaient aux femmes et que les femmes devaient manger après les hommes. Alors, on parle de femmes que vous connaissez probablement déjà, mais il y a aussi toutes les femmes de Londres dont il faudra faire l'histoire, notamment Pauline Ibéné, Rosanne-Paul, Charlotte Montpierre, qui étaient aussi engagées euh, dans l'UFG ou par ailleurs. Alors, à côté de ces, de ces femmes impliquées dans la cause communiste, il, existe aussi, il a existé aussi des femmes euh, qui ont euh, participé à la cause des femmes sans forcément toujours se dire euh, féministe et qui ont dénoncé des violences intersectionnelles de façon très précoce. Pour les étudiants, l'intersectionnalité est souvent associée à Kimberly Crenshaw, alors qu'en fait, elle est très présente dans les discours des féministes antillaises, même si ce n'est pas forcément ce terme-là qui est utilisé, mais la notion est présente dans le discours euh, des féministes antillaises depuis très longtemps y compris en Haïti. elle dénonce des violences spécifiques subies par les femmes noires ou de couleur, notamment le fait que leur corps soit érotisé, stigmatisé, exploité, violenté, soumis dans la reproduction, qu'elles euh, euh, ne puissent pas disposer de leur propre corps. Elles sont victimes de sexisme, de racisme, de négrophobie, de colorisme, de classisme, de colonialisme, de capitalisme. Donc ça, c'est vraiment des termes qu'on va retrouver, notamment... Euh, alors, chez Dany Bebel-Gisler, dans différents ouvrages, euh, et notamment Léonora, l'histoire enfouie de la Guadeloupe, mais aussi dans le travail de Jacqueline Manicom, qui était une sage femme qui s'est battue pour la mise en place du planning familial en 1960 en Guadeloupe et qui a été euh, aux côtés de Simone de Beauvoir dans le, dans le mouvement de libération des femmes. Euh, et donc, elle lutte pour à la fois l'émancipation des femmes, mais aussi pour la désaliénation culturelle et identitaire, euh, pour l'émancipation euh, décoloniale, pourrait-on dire aujourd'hui, en tout cas anticoloniale, et euh, pour euh, advenir vers euh, une émancipation générale. Alors, il y a un ouvrage essentiel à la fin du XXe siècle, enfin 1981-82, sur la condition féminine c'est l'ouvrage de France Alibar et Pierrette Lemboy-Boy que je recommande aussi, même euh, s'il est difficile à trouver aujourd'hui, qui décrit la condition des femmes à différents âges. Il y a deux volumes, le premier porte sur l'enfance et l'adolescence, le deuxième sur la vie adulte, qui montre comment les femmes cumulent des dominations de tout ordre. Raciale, sexuelle, sociale, bien loin de la figure du poteau qui serait une figure écrasante. Là, on voit vraiment à travers des entretiens combien les femmes euh, vivent des violences à tous les âges, subissent de la négrophobie qu'elles ont parfois elles-mêmes intériorisée. Hein. On retrouve le concept d'intériorisation, de l'infériorisation produit par euh, Fanon, souvent en situation de monoparentalité, de avec une charge mentale, terme contemporain, importante. Euh, qui font face à la misère sociale, sexuelle, éducative et conjugale, qui ont des problèmes de santé qu'elles ont du mal à gérer par elles-mêmes et qui se retrouvent dans des rapports, là aussi, euh, de domination par rapport aux au médecins, parfois. Euh, ça, c'est avant que la médecine se développe euh, en faveur des, de la gynécologie, de la pédiatrie. Et alors, euh, France Alibar et Pierre-Edlem Boy Boy sont euh, féministes et sont influencés aussi par le féminisme américain. Euh, France Alibar euh, meurt quelques années plus tard assassiné par son fils et ce drame euh, va inspirer gertie d'ambury qui euh, dans euh, son travail et dans une pièce de théâtre va faire référence à, à cette histoire gertie d'ambury qui fait partie des féministes guadeloupéennes qui ont été impliquées en france dans oh. des mouvements euh, euh, dans l'hexagone qui euh, des femmes noires qui, sont, qui viennent des antilles ou d'afrique parfois d'Europe, et qui vont partager leurs expériences entre elles mais avec les femmes européennes, ou elles vont mettre en place... Alors, il y a un problème... De... Elles vont mettre en place en 1976 la coordination des femmes noires. Euh, et euh, c'est le début, ce qui est caché par la photo, je suis désolée, le début de l'afroféminisme et euh, de la posture intersectionnelle pour justement croiser les différents, enfin montrer, ce n'est pas elle qui le croise, montrer le croisement des différents rapports de domination de race, de classe, de, de genre, d'orientation sexuelle, et les dénoncer et du coup euh, prendre leur distance par rapport au féminisme européen qui, euh, selon elle, ne représente plus suffisamment euh, la réalité de la situation des femmes noires. Plus tard en Guadeloupe, à partir du début des années 2000, naît la fédération Force qui rassemble 21 associations de femmes. Et euh, alors c'est assez intéressant parce que l'association ne se déclare pas forcément comme féministe et je pense que c'est un moment où le terme féministe, le terme féminisme n'a plus bonne presse euh, que les féministes sont cataloguées, stigmatisées comme ayant euh, des problèmes avec les hommes. Euh, bon ça c'est des poncifs qu'on retrouve partout sur terre hein, pour discréditer. Enfin c'est des, des, des questions antiféministes. Mais pour autant, lutter pour l'émancipation des femmes ouais, de la sphère domestique, ouais. favoriser l'égalité ouais. des femmes, dénoncer le temps pour, au ouais. contraire, valoriser la notion de femme rose cayenne, afin ouais, de, de valoriser la respectabilité, la solidarité, la responsabilité, l'engagement euh, des femmes dans la société euh, euh, et euh, dans une posture de complémentarité avec les hommes pour défendre à la fois la féminité, l'identité culturelle et l'engagement euh, dans, euh, dans la, la société et le développement social. Alors, <laughs> c'est Christiane Gaspard-Méride et Hélène Marie-Angéli qui fondent l'association Force. Alors, je, je, je prends un temps du coup pour réfléchir à pourquoi le féminisme n'a pas toujours été euh, une valeur de référence euh, en Guadeloupe. Et euh, il est euh, souvent perçu justement comme étant euh, différent, opposé euh, de, euh, de, la, de la situation des femmes guadeloupéennes. Et euh, excusez-moi, j'ai un petit souci technique. Okay. Euh, le, 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 la perception du féminisme occidental euh, semble ne pas toujours correspondre à la posture que voudraient euh, adopter les femmes guadeloupéennes. Et j'ai essayé là, de, de traduire un peu voilà, différentes notions. Ah, il y a eu un saut de page, un saut de ligne. Euh, en termes de valeurs, le féminisme occidental repose sur la notion d'égalité. Et justement, parfois en Guadeloupe, on semble préférer la complémentarité des sexes. Euh, avec l'idée qu'on euh, ne peut pas être égale, différente, mais complémentaire. Alors la complémentarité, c'est une notion euh, discutée par le féminisme, euh, qui remet en cause le fait que quand on parle de complémentarité, souvent les les rôles attribués aux hommes et aux femmes sont de valeurs bien différentes, et c'est pas c'est pas forcément équitable. Le cadre d'analyse du féminisme, c'est celui du genre. Enfin, le cadre d'analyse, c'est celui du genre et du féminisme, alors que dans certains discours, pas tous, et je, je reviendrai, on semble mettre en avant plutôt des spécificités culturelles euh, guadeloupéennes. L'image de la femme... Euh, dans le féminisme est perçue comme étant euh, soit soumise et donc ayant besoin d'aide et du coup des associations féministes pour se mobiliser ou alors vindicative comme des féministes qu'on associe aux, aux chiennes de garde et à, à tout un tas de termes désobligeants qu'on leur adresse comme si elles étaient des ayatollahs euh, alors que la femme guadoupéenne serait une femme douboute, potomitant, qui soi-disant n'aurait pas besoin du féminisme pour se défendre, ce qui, à mon avis, est une euh, impasse parce que ça empêche aussi parfois les femmes de se plaindre, hein, cette injonction à être euh, douboute. Le cadre politique dénoncé euh, par le féminisme occidental, c'est le patriarcat. Et souvent, on oppose ici l'idée qu'on est dans des sociétés matrifocales et matriarcales et que, du coup, les femmes ont plus de pouvoir qu'ailleurs et qu'elles n'auraient peut-être pas besoin du féminisme, ce qui, à mon avis, ce n'est pas complètement juste. J'ai développé l'idée du patriarcat fissuré sur, pour analyser ces sociétés. Dans le rapport aux hommes, les, le féminisme met en avant l'indépendance par l'accès au travail. En Guadeloupe, les femmes ont toujours travaillé sans forcément être salariées. En France aussi, elles ont toujours travaillé, hein, je le dis, elles ont toujours travaillé euh, le travail domestique, le travail au champ sans être salariées. Mais il y a l'idée qui est avancée en Guadeloupe qu'elles euh, n'auraient pas forcément... Euh, 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 enfin, que la, la lutte des femmes ne s'inscrit pas forcément dans un accès au travail ou dans une indépendance par rapport aux hommes, parce que de toute façon, il, faut, il faudrait soi-disant les excuser, parce qu'ils auraient vécu euh, des violences spécifiques liées à l'esclavage. C'est euh, probable, mais euh, mettre en avant les violences spécifiques vécues par les hommes oblitère souvent celles vécues par les femmes. Et puis surtout, on est dans une société où ce qui est important, c'est d'avoir un homme dans un contexte de pluripartenariat ou de féminisation de la population. Et donc, il vaut mieux en avoir un et le garder, même si euh, ça ne se passe pas bien, plutôt que de prendre le risque de le perdre. Ça renvoie au fait que le féminisme met en, met en avant la sororité, y compris le féminisme noir, alors que la situation en Guadeloupe. Est encore celle d'une opposition, d'une rivalité ou d'un manque de solidarité entre les femmes. J'y reviendrai. Le type d'action du féminisme est celui de la dénonciation de la plainte judiciaire. On est souvent dans une gestion caritative ou euh, une, une régulation dans l'entre-soi euh, des problématiques, notamment de violence. L'objectif du féminisme et l'empowerment, on est plutôt dans la régulation sociale. Et les moyens d'action sont souvent des manifestations publiques, alors que la discrétion est souvent demandée aux femmes. Et les manifestations, euh, enfin les associations de femmes me disent aujourd'hui combien il est devenu difficile de faire des manifestations publiques dans la rue, qu'il faut trouver d'autres moyens de manifester. Donc voilà, je laisserai à la discussion cette, cette comparaison. Néanmoins, 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 je, voilà. On assiste à un renouveau féministe en Guadeloupe depuis les années 2010-2020, et ça c'est important de noter euh, la multiplication d'associations, euh, de ou de propos ou de textes ou de manifestations. Vous avez dû le voir là dans le mois du, du le mois du 8 mars, mais c'est aussi le cas en novembre quand euh, il y a la Journée internationale de, contre les violences. Euh, Contre les femmes ou tout au long de l'année, il y a eu un renouveau féministe qui souvent euh, est lié au fait que les femmes circulent dans différents espaces géographiques et politiques et qu'elles sont sensibilisées à la cause féministe aussi ailleurs et qu'elles introduisent, euh, elles, enfin c'est pas qu'elles introduisent, elles, elles renouvellent euh, une approche féministe qui existait auparavant mais qui s'était peut-être un peu endormie. Et euh, on peut parler par exemple de l'association la solidar Solidarité Femmes Guadeloupe ou de l'AFPED qui défendent un féminisme matérialiste et qui lutte contre les violences de genre, de Guada France Victime qui lutte aussi contre les violences de genre avec une approche aussi intersectionnelle, d'Amalgame Humanise qui euh, défend les droits des personnes LGBT LGBTQI euh, et qui lutte contre les homos et les lesbophobies, contre le misogynoir, dans une posture intersectionnelle. Le Combi de Forme Caraïbe, qui euh, s'inscrit dans une démarche écoféministe pour promouvoir aussi la sororité. Euh, le, le podcast Forme Corps, qui euh, est un féminisme décolonial, qui promeut le féminisme décolonial. Ou Caribbean Boss Lady, qui promeut le féminisme entrepreneurial. Alors, vous aurez reconnu différentes femmes euh, euh, associées Sandra François, euh, Stéphanie Mélion-Rénette, euh, Sonia Derioren, Laure Tarère. Euh, euh, Axel genre notamment, hein, et, et d'autres qui euh, voilà, affirment aujourd'hui une posture féministe renouvelée, affirmée, et euh, néanmoins qui euh, lutte aussi contre la, le discrédit qui leur est fait souvent. Alors, quels sont les droits qui restent à conquérir et à défendre dans, euh, après cette, ces différentes mobilisations Alors, je ne vais pas avoir un, une posture exhaustive, mais je vais revenir sur trois domaines particuliers. Il faut que je regarde l'heure, je suis sûre que je suis déjà une demi-heure, c'est ça ah j'ai pas, pas mis le chronomètre. Ça va Ça va Bon, ça va. Alors, euh, le premier qui me semble important de souligner, c'est le droit des femmes à disposer de leur corps. Le, la lutte pour, de, pour les droits des femmes est marquée par un agenda politique important depuis le début du XXe siècle. Le droit, alors, ce n'est pas exhaustif, hein, mais le droit au congé maternité euh, en 1909, puis en 1928 pour qu'il soit, euh, comment dire, rémunéré. Le droit à la contraception en 1967. Le, et qui va avec le droit de faire un enfant si l'on veut et quand on veut, ce qui est quand même la révolution, enfin je le rappelle hein, pour euh, les jeunes étudiants qui n'ont pas connu cette glorieuse époque, que c'est la révolution du XXe siècle quand même, euh, le fait euh, de séparer la sexualité de la reproduction et de permettre aux femmes et aux hommes d'avoir une sexualité sans forcément être euh, dans l'inquiétude des conséquences en termes de reproduction, qui du coup va baisser le nombre d'enfants par femme, la création du planning familial en 1960 pour la Guadeloupe, c'est Jacqueline Manicom qui se bat hein, pour l'ouverture de ce planning familial. Le droit à l'IVG médicalisé et légalisé donc en 75, euh, puis en 2024 son inscription dans la Constitution. Je rappelle que l'interruption de grossesse existait avant, mais qu'elle n'était pas médicalisée et que c'est parce qu'elle a entraîné la mort de, 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 de centaines de milliers de femmes que Simone Veil s'est battue pour euh, sa lég légalisation. Euh, elle n'était pas forcément pour au départ, mais c'est pour euh, éviter la mortalité qu'elle s'est battue euh, pour sa légalisation. Et puis, j'ai un point d'interrogation, des points d'interrogation, de nombreux points d'interrogation, pour euh, me demander, est-on est parvenu au droit, attention, je vais dire un gros mot, au plaisir sexuel des femmes <laughs> Est-ce qu'elles ont aujourd'hui droit au plaisir sexuel, à la liberté sexuelle, ou est-ce qu'elles continuent euh, d'être euh, l'objet aussi de condamnation, de stigmatisation On voit combien le harcèlement, le harcèlement en ligne aujourd'hui, le cyberharcèlement euh, met souvent en cause la moralité ou la sexualité des femmes. Euh, J'en je, parle en connaissance de cause, et euh, ça interroge vraiment sur euh, le retour là de, de condamnation morale concernant l'émancipation, la, la sexualité des femmes. Alors, euh, un tabou qui persiste, c'est celui de l'IVG. Et là, j'ai quelques chiffres pour vous qui viennent des données de l'Observatoire de la santé anti-Guyane euh, de 2021 et qui interrogent non seulement sur la véritable euh, maîtrise de la contraception chez les femmes guadeloupéennes. Euh, sans euh, les blâmer, il faut interroger les causes d'une mauvaise maîtrise de la contraception, d'une part, et d'autre part, interroger la division sexuelle du travail sexuel et contraceptif, c'est-à-dire est-ce que les hommes sont impliqués dans euh, ce travail contraceptif. Alors, concrètement, les chiffres de euh, les chiffres. Excusez-moi. On... On me dit qu'on m'entend mal. Il y a deux micros ouverts. C'est bon C'est ce que Alors... D'accord, ok, ok, pardon. Donc, euh, c'est bon. Euh, on a vérifié qu'il n'y a plus personne dans la salle d'attente C'est bon euh, Excusez-moi une seconde, je fais une pause, comme ça je vous laisse prendre connaissance des chiffres en même temps. C'est bon Ok, d'accord. Parce que je ne le vois plus en fait. Tout à l'heure, je le voyais, je ne le vois plus. Ok. Alors euh, donc vous voyez le nombre d'IVG euh, 3400 en Guadeloupe euh, 223 000 euh, dans l'hexagone. Donc il y a une part là, une, déjà une, un déséquilibre important. Et quand on regarde euh, concrètement, on a 41,2 pour 1000 femmes euh, fécondes qui ont recours à l'avortement en Guadeloupe. C'est seulement entre guillemets 15 pour 1000 dans l'hexagone, donc c'est 2,7 fois plus en Guadeloupe. Chez les mineurs, c'est 10,5 pour 1000, là aussi c'est 2,5 fois plus que dans l'hexagone, ou c'est 4,5 pour 1000. Les chiffres qui doivent aussi nous faire réfléchir, c'est le fait que vous le voyez, les actes se font majoritairement en cabinet libéral en Guadeloupe, puisque c'est quasiment les deux tiers des actes, Contre 28-29% dans l'Hexagone, et ça, pour moi, je fais l'hypothèse que c'est fait en cabinet libéral parce que ça permet de garder une relative discrétion concernant l'acte, d'éviter l'hôpital euh, perçu comme un véritable aquarium pour ne pas se faire repérer, d'éviter le planning familial qui peut être perçu comme un lieu pour des femmes démunies, et donc euh, de d'accéder de, 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 à l'IVG en toute confidentialité, en toute discrétion. Euh, alors, je, je, je pense que la confidentialité est respectée dans les établissements publics, hein, bien sûr, mais que les femmes ont peur d'être reconnues, identifiées, et que euh, comme, les pratiques, comme le recours à l'IVG est principalement médicamenteux, euh, c'est-à-dire par la, euh, le fait d'avaler des comprimés et euh, d'expulser euh, l'embryon, le, euh, ça permet justement cette discrétion. Mais ça interroge véritablement sur la condamnation morale encore à l'œuvre de l'IVG en Guadeloupe. Vous avez probablement entendu des débats autour de son inscription dans, dans la Constitution qui montrent que là aussi, euh, le droit des femmes à disposer de leur corps n'est pas gagné et que cette condamnation, elle est souvent le fait de réactionnaires euh, conservateurs religieux. On sait partout sur Terre que les, les religions sont défavorables à l'IVG parce que euh, l'IVG met un, une limite au contrôle. Euh, du corps des femmes par les hommes et euh, que c'est très euh, compatible avec euh, les religions euh, les plus patriarcales. Mais euh, donc ça interroge aussi sur la prégnance religieuse dans cette condamnation morale en Guadeloupe. Là aussi, je le mets au débat. Euh, autre point euh, important dans les droits encore à, à développer, c'est la question euh, de la lutte contre les violences de genre. Euh, des violences sexo-spécifiques contre les femmes noires, racisées. Je travaille actuellement dans le cadre de l'enquête Vidom sur la question du continuum de violence que vivent les femmes en Guadeloupe dès l'enfance. Ce que l'on constate, c'est une pratique euh, vécue de l'inceste, enfin subie hein, de l'inceste. Euh, alors je ne peux pas donner de, de chiffres parce qu'on n'en a pas justement parce qu'il y a très peu de témoignages et moi je, je recueille des témoignages par des entretiens euh, mais c'est pas quantifié, on n'a pas beaucoup de comment dire, de statistiques sur le, la question. Le continuum de violence c'est à la fois un continuum biographique, c'est-à-dire de regarder comment les femmes sont exposées à des violences tout au long de leur vie Donc dans l'enfance que ce soit des violences euh, sexuelles, des violences euh, liées aussi aux techniques d'éducation ou de dressage des corps et notamment les châtiments corporels mais aussi les humiliations psychologiques qui peuvent être liées euh, à leur corps à leur couleur à leur physique à leurs cheveux ou à leur rapport à la sexualité ou enfin comment dire c'est pas leur rapport à la sexualité c'est le fait de, de, de vouloir chasser toute euh, idée de vice, et c'est un terme que j'emploie, je, je, ce n'est pas le mien, c'est celui qui ressort de certains entretiens, de femmes qui disent comment euh, leurs parents avaient peur qu'elles soient traversées par la, le, le vice et que euh, du coup elles étaient euh, réprimandées euh, à cause de ça. Alors, euh, une enquête dirigée par Philippe Carrère en 2019, enquête Capsex, euh, réalisée auprès des, étudiants, des élèves de seconde. Lycées géné généraux et professionnels a montré que une jeune fille sur six et un jeune homme sur dix avaient déjà connu des relations sexuelles sous contrainte, non désirées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît énorme. Euh, une jeune fille sur dix, un garçon sur une jeune fille sur six, un garçon sur dix. Donc ça, c'est aussi des choses à, à réfléchir. Euh, et ce continuum de violence se traduit aussi par un, un, un continuum non pas seulement biographique, mais aussi social, c'est-à-dire que les, le risque est important de retrouver ces violences dans différentes sphères de la vie, non seulement dans la sphère privée, familiale, conjugale, mais aussi euh, face aux institutions, face à l'école, euh, à la médecine, euh, dans la religion éventuellement et puis dans la sphère professionnelle, dans la sphère, au travail, dans la sphère publique, dans les espaces de vie euh, publique. Euh, L'enquête Virage euh, réalisée en, en 2019 avait montré que 20% des femmes sont victimes de violences en Guadeloupe, 33% dans le couple, 33% sont victimes de violences psychologiques. C'est plus chez les jeunes, c'est plus chez les femmes sans emploi, c'est plus dans les pour les femmes qui sont chefs de famille monoparentale. Alors, ça pourrait vous paraître bizarre parce que si elles sont en monoparentale, peut-être qu'il n'y a pas de conjoint, mais en tout cas, il y a éventuellement un copain ou il y a un ex-conjoint. Et euh, justement, ce que l'on constate à travers cette enquête, c'est que les violences doublent dans l'année qui suit la séparation. Elles doublent aussi si le partenaire a d'autres relations. Les femmes qui disent qu'elles pensent que leur partenaire a d'autres euh, relations, des femmes dehors, des maîtresses ou une relation principale, sont, déclarent deux fois plus de violence que les autres, ce qui interroge sur la permanence de normes de genre au masculin et au féminin, sur la jalousie masculine, néanmoins liée à une pratique du pluripartenariat euh, élevé, euh, en Guadeloupe et plus élevé que dans l'Hexagone, à tous les âges de la vie. L'enjeu en termes de lutte pour l'égalité, c'est aussi de lutter contre l'invisibilisation de ces violences et contre leur silenciation. Au nom du qu'on dira on au nom du macrélage, on n'entend enfin, pas, pas suffisamment euh, la dénonciation des violences. Les femmes disent avoir peur de briser euh, leur appartenance sociale, religieuse, le, 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 qui parfois est une façade. De, de, de porter atteinte au nom de leur famille, de porter atteinte à la respectabilité de leur famille. Et donc, euh, protéger le nom de la famille, protéger le conjoint est parfois plus important que de se protéger elle. Et on voit une évolution ces dernières années grâce à la mobilisation des associations et au fait d'avoir porté dans l'espace médiatique la question des violences euh, contre les femmes. Et puis, l'effet de l'insularité est important puisque euh, la situation d'interconnaissance, d'interdépendance et le peu de possibilités de partir, de s'éloigner, euh, limitent aussi les dénonciations des violences. Euh, et autre élément important, la méconnaissance des droits et des dispositifs. Encore trop de femmes disent ne pas connaître leurs droits, ne pas connaître les dispositifs euh, associatifs ou judiciaires qui leur sont euh, offerts. Et euh, c'est aussi pour ça que les associations sont très présentes dans euh, l'espace médiatique. Autre point de lutte encore, enfin de lutte, je ne sais pas si c'est une lutte, je, je, autre point de, de situation d'inégalité entre les femmes et les hommes, et cette fois-ci peut-être dans l'autre sens, c'est la question de la parentalité. Là, je mobilise des données d'une enquête que j'ai réalisée ces dernières années pour la CNAF sur la mise en place de la loi de 2002 qui, veut, qui reconnaît la coparentalité, c'est-à-dire le fait qu'un enfant a le droit d'être élevé par ses deux parents d'être sous la responsabilité de ses deux parents et que les deux parents doivent assumer l'autorité, euh, une autorité partagée, même en cas de séparation. Alors, la question de la parentalité en Guadeloupe, ça donnerait, pourrait donner lieu à un séminaire euh, tout entier. Je vais juste vous dire que des allocations ont été mises en place déjà après la guerre pour les femmes veuves, mais particulièrement à partir des années 70 pour soutenir les familles monoparentales, mais qu'il y a eu... En Guadeloupe et en Martinique, une interprétation hasardeuse du dispositif, les femmes ont cru que pour pouvoir en bénéficier, il ne, fa il ne fallait pas que les hommes aient reconnu l'enfant, ce qui est faux. Ça, ça modifie la répartition des allocations. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais même si un enfant est reconnu, une femme peut toucher des allocations euh, parents isolés. Euh, alors, cette interprétation hasardeuse fait qu'aujourd'hui, on a 60% des enfants qui ne sont pas reconnus à la naissance par leur père. Euh, c'est des données de l'enquête coparentalité. Cette, ce chiffre a donné lieu à des interprétations farfelues que je vois partout maintenant dans les médias, comme quoi il y aurait 60 de familles monoparentales, 60 des pères qui ne reconnaissent pas les enfants. Non, c'est pas la même chose. C'est 60 des enfants qui ne sont pas reconnus à la naissance. Certains le seront plus tard, d'autres pas. Et euh, euh, certains sont nés de couples, d'autres pas. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que la reconnaissance paternelle est aléatoire. Dans certains milieux... Notamment au plus d'air pour des raisons de, de précarité, ou dans certaines relations, quand un homme a, est déjà en couple et qu'il ne reconnaît pas leur, ses enfants dehors. Mais ça, c'est un modèle plus ancien. Aujourd'hui, on a 35,5% de familles monoparentales maternelles et 5% de familles monoparentales paternelles en Guadeloupe. Alors, pourquoi une, ça interroge la question de l'égalité Parce que quand euh, j'écoute les hommes aujourd'hui et que je les interroge sur pourquoi ils n'ont pas reconnu leur enfant, pourquoi ils ont du mal à être présents dans l'éducation des enfants Ce qu'ils mettent en avant, mais c'est une parole aussi à déconstruire, c'est que c'est la maman qui décide, que c'est comme ça qu'on fait ici. Quand j'interroge les magistrats, ils et elles me disent aussi que les hommes disent c'est comme ça ici. Est... Alors, est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est des habitudes prises Je pense que c'est plutôt des habitudes prises. En tout cas, les hommes ont intériorisé l'idée que la primauté maternelle prévaut sur l'éducation des enfants et sur la reconnaissance et que les mères détiennent un veto. Et moi, je m'interroge sur pourquoi les hommes ne vont pas à l'encontre de ce veto, c'est-à-dire pourquoi ils ne font pas valoir leur droit à la paternité quand bien même la maman ne veut pas. Alors, ça serait l'objet là aussi d'un autre séminaire, mais euh, ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'on est dans une période de transition où la loi française promeut une norme égalitariste entre père et mère qui s'oppose un peu ici à la norme matrifocale. Qui génère des résistances du côté des femmes, du côté des hommes, du côté des femmes, parfois elles disent que c'est parce qu'elles ne sont pas sûres que le père va payer quoi que ce soit, ou parce que euh, elles ont vécu des violences et qu'elles ne veulent plus rien avoir à lui demander, euh, ou qu'elles considèrent qu'il n'est euh, est en situation trop précaire. Mais en tout cas, euh, l'enjeu là en termes d'égalité serait d'accompagner la reconnaissance paternelle. Euh, Est-ce qu'il faut convaincre les mères de son intérêt Ça, c'est ce que disent les professionnels. Mais peut-être qu'il faut aussi convaincre les pères de, de cet intérêt. Et, euh, et donc, il y a tout un enjeu en termes de médiation et de redéfinition des relations parentales par rapport aux enfants. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un... Il y a un... Bref. Autre domaine où il reste du travail, celui du travail, justement, en termes d'égalité. Euh, on constate partout évidemment des inégalités, des discriminations, voire de l'autocensure de la part des femmes, dans le fait de dans le recrutement euh, dans, le, dans le monde de l'emploi, dans la répartition des postes, dans la rémunération des femmes par rapport aux hommes, dans la formation des femmes par rapport aux hommes, dans la promotion pendant leur carrière, et surtout la difficulté de l'articulation de la vie de famille et de la vie professionnelle. Alors concrètement, il euh, y a une loi qui est en place depuis 2019, c'est la loi Pacte, voire avant la loi RSE, qui vise à lutter justement pour certains publics minor minorisés, pas minoritaires, mais minorisés, euh, lutter contre le sas filtrant, c'est-à-dire les discriminations à l'embauche, le plancher collant, le fait que on reste, les femmes restent plus longtemps que les hommes dans les premiers postes où elles ont été recrutées, le plafond de verre, qu'elles ont du mal à accéder euh, aux postes de responsabilité, y compris en Guadeloupe y compris en Guadeloupe, même si elles sont très présentes, euh, elles ne sont pas forcément toujours dans les postes de direction ou de responsabilité. La falaise de verre, c'est le fait qu'on confie aux femmes des postes casse-gueule quand euh, on voit qu'il va y avoir des difficultés, parfois pour justifier que bah, vous voyez qu'elles ne sont pas capables. Et l'effet vitrine, c'est le fait de dire, mais attendez, euh, moi j'ai ma euh, euh, présidente du conseil d'administration, la directrice de cabinet qui sont des femmes, et donc de mettre en avant des femmes pour faire croire que l'égalité est acquise alors qu'en fait elle ne l'est pas concrètement en guadeloupe <coughs> l'entrepreneuriat est encore euh, euh, est encore un enjeu euh, pour la question de la parité si on regarde le taux d'emploi des femmes alors l'entrepreneuriat ou la fonction publique hein, mais euh, dans le dans le taux d'emploi des femmes elles ont un taux d'emploi plus faible que celui des hommes à 49,6%. Elles sont plus victimes de chômage à 19,7%. Elles sont beaucoup plus dans des temps partiels à 11,2%. Alors, tout ça est beaucoup lié, euh, non, pas non pas seulement au niveau de diplôme, mais surtout à la situation familiale. En étant en situation de monoparentalité, eh bien, on n'est pas disponible à 100% pour euh, un temps complet. Et euh, je rappelle que euh, un jeune sur quatre est sans emploi, ni études, ni formation en Guadeloupe. Ça concerne aussi les femmes, et euh, que on est dans une situation. Pourquoi j'ai mis ça De fausse parité, euh, de fausse parité, parce que même dans, quand les femmes ont accès à l'emploi, euh, oui, je l'ai dit déjà, elles ne sont pas forcément dans les postes de direction. Et quand elles sont dans des postes de direction, elles disent combien il est difficile de, de se faire, de, de faire euh, écouter leur autorité. Euh, L'UNICEF vient de produire en mars 2024, c'est tout récent, un rapport sur l'égalité femmes-hommes en Guadeloupe qui met en avant le fait que les femmes sont majoritairement dans les métiers du care, c'est-à-dire soignantes, enseignantes, métiers d'agents de, de, d'entretien, euh, euh, j'ai dit soignantes, infirmières, euh, assistantes de vie, euh, auxiliaires de vie à domicile, donc tous les métiers de l'accompagnement de la personne, euh, métiers qui sont délaissés par les hommes hommes qui sont, eux, dans des métiers beaucoup plus techniques. Et quand elles sont chefs d'entreprise, elles, elles ont, par exemple, en 2016 été à l'origine du tiers des créations d'entreprises. C'est des entreprises qui sont viables, c'est souvent des auto-entreprises, mais sinon, 62% des femmes sont dans le, fonction, le, le fonctionnariat ou des emplois aidés. Les inégalités de salaire sont importantes, les cadres touchent 15% de moins que les hommes, les ouvrières 16%. Euh, là aussi, c'est lié à l'âge, à la monoparentalité. Euh, et et euh, on pourrait noter cependant que euh, chez les jeunes, les femmes restent moins longtemps que les hommes chez leurs parents, 57% des moins de 30 ans contre 74% des hommes qui restent résidés chez leurs parents, ce qui est aussi un indicateur de précarité. Donc pour tout ça, il faut encore favoriser l'éducation, la formation, l'empowerment des femmes pour le leadership, ce qui est en cours. Alors, fausse parité, notamment en politique. Euh, je sais qu'on met en avant le fait qu'en Guadeloupe, il y a une bonne moitié de femmes engagées en politique, mais quand on regarde de plus près, elles sont par exemple souvent dans les rôles de conseillères municipales plutôt que maires. On n'a que 22% de maires en Guadeloupe, de maires. Euh, elles sont adjointes euh, plus que présidentes euh, de collectivités euh, ou de... de oui des, des, ça euh, oui, des collectivités comme la CARL, comme Cap Excellence. Il euh, y a des. des voilà. euh, et concernant la sphère du travail, elles sont là aussi victimes de violences, surtout psychologiques. C'est une femme sur trois, selon l'enquête Virage, qui est victime de violences euh, dans le cadre professionnel en Guadeloupe, contre une sur cinq en Hexagone. C'est surtout des violences psychologiques c'est surtout chez les jeunes. Et les femmes se disent victimes de harcèlement, de critiques injustifiées, de violences verbales, d'humiliation, de dénigrement, d'isolement, de modification du travail sans raison, de méchanceté, ce qui peut provoquer de de, une perte d'estime de soi. Elles sont victimes de leurs collègues, de supérieurs hiérarchiques et euh, chose euh, alors je crois est-ce que je l'ai mis là, elles sont aussi victimes d'autres femmes. Et ça c'est une particularité en Guadeloupe. Hein. C'est que les femmes qui se disent victimes de violences psychologiques sont victimes d'autres femmes pour 47% des cas. Donc, ça, c'est quelque chose euh, vraiment euh, à interroger. Excusez-moi. Les femmes cadres sont aussi plus victimes, et c'est probablement aussi parce qu'elles se plaignent plus. Donc, tout ça interroge dans le cadre du travail ce que les femmes reproduisent dans les rapports professionnels. Elles sont victimes, elles sont peut-être aussi parfois auteurs. Est-ce que c'est un problème de rivalité, de mise en concurrence, de, la, de jalousie, de méchanceté Est-ce que quand on est victime de rapports de domination de classe, de genre, de race, de couleur, on a besoin d'asseoir une autorité pour en sortir, peut-être parfois en reproduisant cette autorité Donc là, il y a aussi peut-être tout un travail à faire de déconstruction de ces rapports de domination et de solidarité pour permettre aux femmes de se confier à d'autres femmes, parce que pour l'instant, elles se plaignent euh, euh, aux représentants du personnel. Mmh peu à la police et très peu aux autres femmes. Je conclus, j'y suis. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. J'ai l'impression d'avoir parlé longtemps. Je suis à ma conclusion pour vous dire que le risque, à mon avis aujourd'hui en Guadeloupe comme dans beaucoup d'endroits, c'est le risque de de backlash. Le backlash, c'est le fait que à chaque fois que les femmes ont avancé, ont gagné dans la lutte pour les droits, il y a eu un retour en arrière conservateur et euh, des accusations, voire une limitation de leurs droits. C'est le cas, par exemple, pour la contraception dans plusieurs pays. Alors, euh, ce backlash, à mon avis, pourrait être nourri par plusieurs choses. D'une part, une certaine remise en question de l'égalité et la banalisation des violences chez les jeunes, notamment la banalisation de la jalousie masculine. Alors, peut-être plus dans les milieux défavorisés, mais je ne suis pas sûre. Quand j'entends, par exemple, des femmes ou quand je vois des femmes envoyer des photos à leurs conjoints quand elles sortent, pour le rassurer, pour savoir où il est, euh, où elle est, il a besoin de savoir où elle est, en disant oui mais c'est normal ici, tu sais comment sont les hommes. Bon, à discuter. Euh, ce qui euh, banalise la violence, c'est la diffusion large de la pornographie extrêmement harde, extrêmement violente, avec des scènes qui relèvent parfois de la torture à tout âge, qui insiste sur la, la, le fait que la soumission des femmes soit attendue dans les scripts sexuels. Et puis ce phénomène que vous connaissez peut-être de Dark Romance, c'est ces romans qui mettent en scène des situations sadomasochistes avec des personnages qui sont des jeunes femmes, des ados, qui ont un succès phénoménal dans les librairies. L'autre élément qui peut conduire à ce backlash, l'importance des discours religieux, chrétiens et sectaires ou autres qui euh, remettent à l'ordre du jour une vision conservatrice de la domesticité des femmes, comme si la place des femmes était euh, dans la cuisine ou à la maison, qui euh, favorisent un entre-soi communautaire. Et j'ai eu l'occasion dans des entretiens de voir que des femmes, quand elles sont en religion, ont plus de mal que d'autres à porter plainte parce que justement, ça ne doit pas sortir de la communauté. Euh... Et puis, autre élément, le, un éventuel manque de solidarité féminine. Le, dans un contexte de concurrence euh, lié au pluripartenariat des hommes, euh, est-ce facile d'être allié, d'être euh, des sœurs, d'être solidaires pour justement euh, dénoncer euh, le sort subi par les femmes Ou est-ce qu'au contraire, on est en, en, en concurrence en, entre femmes un exemple, euh, en ayant travaillé avec les magistrats, les avocats, ils disent, par exemple, aux Assises, quand il y a des procès pour viol, que les femmes, parmi les jurés, sont beaucoup plus dures que les hommes euh, envers les victimes, euh, au motif que peut-être elles l'auraient cherché, qu'elles se seraient habillées de telle façon, mais, mais alors, elles ne pouvaient pas savoir. Alors, comme si les femmes devaient intérioriser que, justement, les hommes ont. Enfin, certains, hommes, certains hommes ont des stratégies particulières pour exercer leur violence. Et donc finalement, on, on, ça donne lieu à ce qu'on connaît bien hein, dans l'analyse dans des violences, c'est l'inversion de la culpabilité. C'est-à-dire que c'est le blâme de la victime et l'impunité de l'auteur qui sont mis en avant. Et donc on est, les, les hommes, eux, en Guadeloupe, aux assises, sont plus cléments envers les femmes parce qu'ils connaissent justement tous les stratagèmes des hommes pour a, a, arriver à leur fin, alors que les femmes... Euh, Pense que la responsabilité est peut-être du côté des femmes. Euh, une rivalité euh, entre femmes sexuelles, coloristes aussi. Il faut rappeler combien euh, le colorisme a pu euh, opposer les femmes euh, selon leur couleur de peau euh, et que ce n'est pas forcément encore complètement déconstruit, ça reste à faire. Et un risque d'antiféminisme. Euh, moi, j'observe quand même, je voudrais le mettre en débat, un conservatisme culturaliste. C'est-à-dire on voit de plus en plus de consultants, parfois autoproclamés sociologues, ou des avocats-avocates, qui défendent une posture culturaliste ancrant dans la culture l'idée que bah, c'est comme ça ici, que les femmes de toute façon sont fortes, qu'elles peuvent résister, et qui du coup promeuvent le rejet de tout féminisme qui viendrait de l'extérieur, qui serait vu comme euh, aliénant contre euh, un féminisme éventuellement endogène je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être, euh, qui a pour euh, effet de diviser ou d'opposer les femmes plus que de les réunir et qui réifie des clichés culturalistes sur l'idée que, sous, sous prétexte que ce serait culturel, ça ne pourrait pas changer. Je rappelle que même les cultures changent et que les... Les, les, les clichés culturalistes sont souvent là pour maintenir des rapports de domination, que la culture est aussi un outil idéologique pour justifier de la domination et que dans la quasi-exclusivité des cas, le recours au culturalisme sert à maintenir les privilèges des hommes. Euh, mais bon, à discuter là aussi. Le retour au temps longtemps et aux traditions familiales aussi, hein, euh, en ce moment, qui... Il faudrait faire attention à ce que ça ne remette pas les femmes dans leur case. Alors évidemment, les femmes les plus éduquées qui travaillent sont en dénonciation hein, de, de, ces, de, ces, de ces clichés euh, culturalistes et elles promeuvent au contraire l'interchangeabilité des rôles et euh, comptent sur les hommes pour leur permettre de partager des tâches domestiques et d'articuler vie de famille et vie professionnelle. Donc là, on voit vraiment un changement chez les femmes. Euh, un emploi éduqué avec euh, voilà, une, une autonomie euh, euh, économique qui attendent autre chose des hommes. Mais sinon, euh, le retour aux traditions familiales s'appuie sur euh, l'agentivité des femmes, qui seraient résistantes depuis solitude, je l'ai dit, sur l'idéal sacrificiel du poto temps. Et parfois, ce discours culturaliste accuse même le féminisme de produire de l'individualisme. Parce qu'en fait, avec, à cause du féminisme, soi-disant, les femmes guadeloupéennes ne penseraient qu'à elles, alors qu'autrefois, elles pensaient à la famille, à la société, et qu'on accuse le féminisme de cet individualisme. Et puis, évidemment, ce qui est mis en avant, c'est l'idée que les lois, les modèles français, et notamment le féminisme, ne seraient pas adaptés aux particularités guadeloupéennes. Alors, je sais que ce soir, euh, Clara Palmiste, enfin et, et, que l'ANG a invité Clara, Clara Palmiste pour un débat, justement, pour montrer que le féminisme existe bien depuis longtemps. Alors, l'autre point important, ah ben voilà, j'avais oublié que j'allais parler de ça, donc euh, j'en ai, ai déjà un peu parlé, l'idée d'impliquer les hommes dans le combat des femmes. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui et beaucoup dans les mondes noirs, pas qu'aux Antilles, euh, non seulement pour se libérer du potomitant et donc euh, s'appuyer sur l'interchangeabilité, hein, je l'ai dit, des femmes qui démissionnent de leur fonction de potomitan, de construire des relations de respect mutuel, de reconstruire de la confiance entre hommes et femmes, alors, souvent en s'opposant là aussi à un poncif sur les féministes qui auraient un problème avec les hommes, elles n'ont pas, pas un problème avec les hommes, elles, ont une, une, elles luttent contre le patriarcat, ce pas la même chose. Euh, de proposer de la mixité dans des projets d'émancipation, c'est-à-dire de faire en sorte que les hommes soient aussi l'objet des campagnes d'éducation, d'information, de sensibilisation, et que les hommes élèvent aussi leurs fils autrement. Mais ce que je dis souvent, c'est que ça peut être très intéressant à condition que les normes de genre masculine et au préalable déjà été déconstruites. C'est-à-dire que si on implique les hommes pour qu'ils reproduisent des normes de genre euh, 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 traditionnelles, euh, fondées sur, euh, là aussi, euh, le viriarca, je n'ai pas parlé de ça, mais bon, le viriarca guadeloupéen, euh, on n'a on on, on pas la garantie qu'on va aller justement vers une déconstruction générale. Alors, en, dans le, en Guadeloupe, on a un réseau violence intrafamiliale qui s'est mis en place sous l'égide du conseil départemental et de la préfecture et de la directrice aux droits des femmes et de Justine Bénin, déléguée interministérielle à la lutte contre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer. Je, je dis tout le temps, et c'est ce que j'ai dit à Justine Bénin, c'est très bien de faire des maisons des femmes, mais c'est comme si vous multipliez les baignoires sans arrêter le robinet qui coule. Et que peut-être pour arrêter le robinet, il faudrait faire une maison des hommes. Pour aussi apprendre aux hommes à penser leur masculinité, à gérer leurs émotions, à construire des nouveaux repères masculins qui soient, euh, qui permettent aussi, euh, euh, comment dire, une, un apaisement euh, du côté des hommes. Voilà, je crois que j'ai fini. Euh, je laisse à la discussion ces différents éléments et euh, un point de discussion aussi, c'est la question de la convergence, la convergence des luttes aujourd'hui où en est-on, euh, d'une part, et d'autre part, comment les femmes réussissent-elles ou pas à partager leurs expériences, à oser dire leurs difficultés, à s'écouter sans jugement et euh, à créer des partages collectifs, notamment dans des associations euh, locales. Voilà, je vous remercie. Je suis sûre que j'ai été longue, que je n'ai pas regardé l'heure, mais je sais que Fred Reynaud, qui me regarde à côté, doit se dire que de toute façon, quand on invite Stéphanie Mulot, on n'est pas sûr du timing. <laughs> Donc voilà, je, je vous remercie. Bon, ben, nous allons euh, passer aux questions. Il euh, y a une première question. Euh, l'accès à l'égalité des hommes et des femmes n'a-t-il pas rendu la charge des responsabilités supportées la, la femme supérieure à celle-ci il y a quelques décennies mmh. C'est si la question. Mmh. Bonne je, 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 je veux que tu reprennes. Alors, l'accès à l'égalité des hommes et des femmes. N'a-t-il pas rendu la charge des responsabilités supportées la, la femme, femme supérieure à celle d'hier Par de... la femme. Par la femme supérieure. Oui. De... Par la femme supérieure, supérieure, supérieure à celle d'hier. Alors, Alors euh, <coughs> je ne sais pas si, si ça c'est le résultat de l'égalité. Euh, c'est peut-être le résultat peut de, de... l'inégalité, c'est-à-dire que, <coughs> que les femmes ont toujours une charge domestique, néanmoins elles ont, ont de moins d'enfants. Donc, euh, on pourrait dire qu'éventuellement, il y a moins de charges que quand elles avaient plus d'enfants. Par contre, euh, la question qui se pose, c'est est-ce que le partage des charges s'est mis en place entre mes femmes, alors que les femmes ont eu accès à l'emploi Alors, elles n'ont pas toutes accès à l'emploi en mais quand elles ont accès à l'emploi, euh, donc elles ont leur journée de travail plus la journée de tâches domestiques. Est-ce qu'il y a un partage suffisant des tâches pour soulager les femmes, justement, euh, qui euh, ont eu accès au travail C'est-à-dire que quand les femmes ont, ont eu accès à l'emploi salarié, parce qu'elles travaillaient déjà avant, mais à l'emploi salarié, on a souligné le fait qu'elles faisaient deux journées de 8 heures, c'est-à-dire leur journée de travail salarié plus leur journée de travail domestique. C'est aussi d'ailleurs, euh, vous savez que le travail domestique a, a fait l'objet d'une proposition de loi sous Giscard pour payer. Euh, les femmes euh, qui étaient euh, au foyer. Bon. Donc, en Guadeloupe, je suis désolée, je veux bien un peu d'eau, s'il te plaît. En Guadeloupe, euh, je ne sais pas si la question porte sur la Guadeloupe ou sur en général. Non, c'était la Guadeloupe. Mais, euh, OK. Le, la diminution du nombre d'enfants a soulagé la, les tâches, mais si les hommes ne sont pas plus impliqués dans les tâches domestiques, le poids pour les femmes peut être grand, néanmoins, quand elles s'ajoutent la gestion du travail domestique et la gestion de la responsabilité économique euh, du comment dire, du foyer. Et ce, alors et pour celles qui sont en situation monoparentale, bah effectivement, euh, là, euh, elles doivent gérer tout toutes seules. Et euh, il va falloir aussi, enfin, il va falloir, c'est déjà en cours, mais il faut aussi s'interroger sur effectivement le poids et les difficultés vécues par les femmes en situation monoparentale. Qui, euh, qui doivent gérer tout et avoir la charge mentale quasi exclusive euh, de l'éducation, de la gestion domestique, économique du foyer. Merci. J'ai hâte de vous entendre. N'hésitez pas. Cool. Prochaine question euh, Comment expliquer le paradoxe entre la place centrale de la femme antillaise dans le foyer, donc sur qui reposent les décisions importantes et les responsabilités, et sa vulnérabilité toujours aussi importante aux violences intrafamiliales, aux situations de précarité Moi, je vois pas paradoxe. Je donc, donc la, la question, question c'est le, le paradoxe entre le fait qu'elle soit potomitant et néanmoins exposée aux violences. C'est ça, ça mais moi, je ne vois pas de paradoxe, en fait, moi, parce que je le vois euh, autrement. C'est-à-dire que le fait de... Alors, déjà, d'une part, le, euh, je sais pas si... Le début de la question, c'est Comment expliquer le paradoxe la place de... voilà. Alors, la place centrale de la femme, je, sais, je, je, je pense qu'il faut le... Il faut préciser. Est-ce qu'on entend par là le fait qu'elle est chargée de tout et que, du coup, euh, ben, justement, c'est sur elle que pèse tout un tas de choses Ou est-ce qu'on entend par là le fait que ce seraient des femmes fortes des femmes autoritaires, des femmes euh, qui auraient de la poigne, qui ne se laisseraient pas faire et qui euh, seraient, euh, comment, seraient euh, en capacité de se défendre. Alors, euh, je, je pense que l'arbre cache la forêt, en fait. C'est-à-dire que l'injonction faite aux femmes à être des poteaux c'est-à-dire à être solides et, et en même temps à, enfin, à tout gérer et en même temps à le faire en étant solide, masque. Euh, la, la véritable vulnérabilité des femmes, c'est-à-dire que elles peuvent se défendre par des mots. Et d'ailleurs, euh, dans les enquêtes sur la violence, les, les hommes se plaignent euh, des mots euh, que les femmes utilisent contre eux quand elles, elles babillent, elles sont rosses, elles se, elles, se, elles se plaignent euh, des hommes euh, avec, une, pour certains, une, une peur là du conflit avec la femme, de quelque chose qui leur prendrait la tête, qui, euh, qui serait euh, Qu'est-ce qu'ils disent des hommes Ils cabouffent moins. Ils ne veulent pas d'emmerde, ils ne veulent pas se faire chier. Et donc, euh, quand une femme se, se manifeste ou manifeste du mécontentement, c'est vécu pour eux de façon assez difficile. Euh, je fais confiance à certaines femmes pour être particulièrement. Euh, euh, quel est le terme Vindicative. Vindicative. Voilà, c'est à Canel qui propose ce terme. Euh, vindicative. Mais euh, au-delà de cela, c'est-à-dire au-delà de quelque chose, d'une tension, enfin, je pense qu'il y, y a une tension dans, euh, dans les couples. Euh, euh, il y a une situation euh, qui perdure qui est euh, une vulnérabilité. C'est-à-dire que l'obligation à être solide ne veut pas dire qu'on le l'est déjà. Ça veut dire qu'on peut le montrer, ça ne veut pas dire qu'on l'est. D'autre part.. Les violences en Guadeloupe, puisque c'est la question de la violence, la deuxième partie, hein, vulnérables aux euh, violences, oui, c'est ça, ça? Comment elles sont victimes de violences alors que du coup elles ont une place de ouais, Ok. Alors, les violences en Guadeloupe, elles sont majorées par plusieurs situations. La, la première, c'est le pluripartenariat des hommes, je vous l'ai dit. C'est-à-dire, plus un homme est enfin, euh, quand un homme est dans des, des relations multiples, qu'il a deux ou trois relations, ça augmente la. la la potentialité que les femmes soient victimes de violences. Pourquoi Parce qu'ils sortent, euh, ils sortent le soir ou ils sortent le week-end, ils reviennent en fin de week-end et quand les femmes se plaignent, le règlement de compte peut euh, tourner mal. Euh, L'autre chose euh, qui majore le, la, comment, la survenue des violences, c'est quand les femmes sont enceintes. Alors, ça, c'est toujours une grande question. Et pourquoi quand elles sont enceintes On pourrait se dire, ben, elles sont enceintes, c'est super, c'est devrait être une joie. Non, d'une part parce que pour certains, la grossesse les ouais. met face à des responsabilités qu'ils ne sont pas forcément prêts à prendre, et euh, ils préfèrent au contraire s'éloigner, ce qui donne lieu à du conflit. Ou alors, il euh, y a une remise en question par certains hommes du fait qu'ils soient bien le père de l'enfant à naître. Et donc la situation, paradoxalement, c'est là qu'il y a du paradoxe. Le, le pluripartenariat des hommes induit une méfiance entre hommes, enfin une méfiance sur le fait que les femmes puissent être la proie d'autres hommes ou qu'elles puissent chercher elles aussi à avoir plusieurs relations. Et donc le, la méfiance des hommes par rapport, enfin la connaissance des pratiques des hommes entre eux, là, euh, la connaissance qu'ils ont entre eux de ce qu'ils font, se traduit par une méfiance accrue envers les femmes et par une mise en cause de la fidélité des femmes. Et donc, quand l'enfant euh, est annoncé, il y a une mise en doute de la fidélité de la femme. Et l'autre point qui majore la violence, c'est euh, quand les femmes décident de partir. Vous avez peut-être souvenir de féminicides, euh, alors moins dans les toutes dernières années, mais quand même, il y en a eu euh, sur la dernière décennie c'est quasiment tout le temps quand les femmes partent, quand elles échappent, quand elles veulent échapper à l'emprise euh, conjugale. Et c'est aussi quand... Euh, euh, D'ailleurs, c'est pour ça que pendant le confinement, il y a eu moins de féminicides. Il y a eu plus de violence, parce que les femmes étaient euh, à portée de main. Il y a eu plus de violence, mais il y a eu moins de féminicides, parce qu'elles ne pouvaient plus partir. C'est quand elles partent. Donc, tout ça pour dire que euh, les... les, les... La vulnérabilité, des... enfin la vulnérabilité, le fait que les femmes soient exposées aux violences, c'est aussi lié à cette situation de pluripartenariat. Et c'est aussi probablement, alors je ne je... vais pas me faire des copines chez les féministes, mais tant pis, c'est aussi probablement lié au fait que les hommes euh, peuvent, eux, se sentir euh, parfois euh, euh, pas suffisamment écoutés, pas suffisamment compris contraints, limités dans leur liberté, limités dans leur euh, désir et euh, ou euh, pas entendus dans leur vulnérabilité à eux. C'est-à-dire que je pense aussi que l'expression violente des émotions chez les hommes peut aussi masquer une vulnérabilité. C'est-à-dire que et c'est pour ça que je dis la maison des hommes, elle serait intéressante pour apprendre aux hommes à exprimer leurs émotions. C'est-à-dire exprimer et gérer autrement leurs émotions, que ce soit la frustration, que ce soit la colère, que ce soit la jalousie, que ce soit enfin tout un tas de choses. Euh, comment se fait-il que ça se traduise par un passage à l'acte C'est-à-dire qu'il y a une difficulté à verbaliser, à mettre en mots, euh, et que ça, ça passe peut-être plus facilement par le corps. Vous voyez. Donc il y a, et, et du côté des femmes aussi, hein, peut-être qu'il y a une difficulté à mettre en mots, hein, d'ailleurs, ce n'est pas que du côté des hommes, hein. mais peut-être que des hommes qui ne se sentent pas forcément écoutés, pour les hommes en situation précaire, difficile, tous ces hommes-là qui sont euh, au chômage chez les, chez les plus jeunes, il y a aussi une question de valorisation de leur statut. Ils peuvent se sentir dévalorisés par la société, dévalorisés par le monde du travail, dévalorisés euh, dans, le, dans la sphère publique stigmatiser en plus s'il y a des questions de couleur et euh, vous savez aussi combien certaines femmes y compris jeunes peuvent avoir des propos très durs pour disqualifier des hommes je me souviens avoir entendu une femme peut-être l'année dernière je crois au téléphone dire à son copain de toute façon tu es même pas capable de m'acheter un iPhone donc en gros c'était une disqualification totale du conjoint incapable de satisfaire aux besoins de consommation économique de sa copine. Donc voilà, tout ça, ça peut créer de la tension. Maintenant, ça justifie pas le passage à l'acte. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que euh, tout ça, ça peut créer de la tension, des oppositions, mais il faut apprendre à éviter le passage à l'acte et à redéfinir les rapports de genre entre mes. Euh, des actions qui ont été réalisées et ou initiées pour la déconstruction du modèle de masculinité problématique que vous avez bien décrit. Euh, ouais, je... Oui, oui, oui. Non, c'est que je me dis, j'aurais bien aimé voir les... qui pose des questions, en fait, à chaque fois. Mais, OK, Maïté, je... Maïté. Merci Maïté pour la question. Euh, oui, il y en a parce qu'il y a des... Alors, je ne sais pas si vous pensez à des choses collectives, médiatiques, mais je pense qu'il y a des initiatives un peu partout. Déjà, il y a, il y a toutes les associations dont j'ai parlé qui font un travail de sensibilisation, de formation, d'intervention. Euh, je sais que Amalgam Humaniste, par exemple, intervient dans les collèges, dans les lycées. Euh, le Combit, euh, là encore, pendant tout le mois, fait des interventions euh, dans des lieux publics. Euh, je pense à Sandra François et Guadav euh, France Victime qui euh, intervient dans les médias et intervient euh, aussi en tant que, dans des formations. Donc il y, y a un travail euh, à la fois auprès des, des professionnels qui accompagnent. Euh, les familles, les couples, les jeunes, mais aussi un travail euh, dans les médias et un travail d'intervention. Et puis, euh, je pense notamment aux, aux médiateurs euh, familiaux euh, qui aujourd'hui sont très euh, sollicités par les magistrats en cas de conflit lors de la séparation des parents ou en cas de conflit concernant l'éducation des enfants. Et les médiateurs familiaux sont formés justement à la médiation et à la déconstruction des rapports de genre. C'est-à-dire que aujourd'hui, il, il et elle soulignent la nécessité de rappeler l'égalité des droits des parents, par exemple père et mère, euh, dans l'éducation et donc de, 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 de construire et de et, enfin, de déconstruire des normes pour en construire d'autres, y compris en incitant les femmes à faire confiance aux pères. Il y a une difficulté aussi là de, de confiance des mères envers les pères sur leur capacité à éduquer les enfants, parfois liée au fait que les pères ont exercé des violences, il ne faut pas l'oublier, mais aussi liée au fait que euh, ben parfois ça peut être euh, parce qu'on euh, a mal digéré la séparation, parce qu'on n'a pas accepté que le conjoint parte, parce qu'il est parti avec une autre, parce que bon. Parce qu'ils sont euh, ils sont restés sur un litige parce qu'ils bah, payent pas la pension alimentaire enfin bon donc y a, il peut y avoir plein de griefs mais il y a euh, voilà ce travail de, de reconstruction euh, et de, de déconstruction des normes de genre et de reconstruction de de la coparentalité après est-ce que la question concernait euh, la violence je sais plus non c'était déconstruction des normes de genre oui c'est ça ouais et puis, il y a, euh, normalement, euh, il y a des choses qui sont faites à l'école aussi. Mais là, il faudrait euh, d'abord euh, faire attention, voir si les enseignants eux-mêmes ont déconstruit leurs normes. Je pense que peut-être c'était spécifique aussi à la Guadeloupe s'il y avait des actions spécifiques. Donc, oui, c'est que... oui, pour ça que j'ai parlé des associations qui font des, des choses ici. Mais... <coughs> okay. Si jamais ouais. je ne réponds pas suffisamment clairement aux questions, n'hésitez pas à me, à me les reposer. Euh, prochaine question Est-ce que vous pensez que les femmes guadeloupéennes vont suivre la mouvance de la prise de parole pour dénoncer les violences qu'elles subissent Si oui, comment les, ah, comment leur faire prendre confiance pour qu'elles osent sortir des violences qu'elles subissent Ok, ça c'est une question aussi très importante. Alors, euh, comme le la question des violences est mise à l'agenda euh, politique et médiatique, ça permet de D'en faire un sujet qui n'est plus un sujet ordinaire. Euh, alors, ça, c'est le côté positif. J'ai dit dans ma présentation combien il y a aussi un risque de banalisation de la violence à travers d'autres actions. Bon. Le fait que des femmes parlent des violences qu'elles ont subies, en général, ça peut libérer la parole. J'ai dit aussi qu'il y a des freins. Le qu'en t on euh, La religion ou D'autres choses. Mais moi, je pense que s'il y a des espaces sûrs pour les femmes, c'est-à-dire des lieux de prise en charge, des espaces associatifs, des espaces de non-jugement, des espaces d'accompagnement. Euh, j'ai parlé de l'afped aussi, hein, l'association femmes, euh, euh, femmes euh, de police pour l'égalité et la diversité. de guadave, de, d'initiative france Victime, enfin, je veux dire, il y a plein de lieux. Euh, si ces lieux sont des lieux d'écoute, de, de, d'attention et euh, de non-jugement, ça donne aussi la possibilité à d'autres femmes de, de s'exprimer. Mais le risque essentiel, c'est toujours la pression de la société. C'est toujours la norme euh, sociale, locale et euh, le, le « quand dira-t-on ». Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais… Euh, vous savez, le quand t on euh, le samoun qui dit qui dit ça fonctionne uniquement parce que moon' Kapalé, ça fonctionne parce qu'il y a du macrélage et que on se fait pas du bien entre nous hein, avec ça on se fait pas du bien euh, à, à reproduire justement des paroles sur les autres si c'est des paroles de médisance et de condamnation donc là aussi moi je pense qu'il y a quelque chose qui est en route hein, qu'on est à l'ère post mitou on considère que c'est la quatrième ou cinquième vague, euh, quatrième vague du féminisme, hein, le post-metoo, même si ça n'a pas été très suivi en Guadeloupe, même s'il y a une grosse pression en Guadeloupe, je le sais. Mais néanmoins, moi, quand je regarde ce qui se fait, je me dis, euh, voilà, il y a, y, a, y a des formes d'identification positive, possible, envers des femmes qui ont dénoncé les violences. Voilà. Euh, prochaine. Une question en matière de reconnaissance paternelle. Avez-vous rencontré des hommes dont le discours laisse à penser que la reconnaissance paternelle est déterminée par l'état de la relation avec la mère, de même que par le parcours social de l'enfant Le parcours social de l'enfant. Dans le cas de reconnaissance tardive alors, c'est ça a... Avez-vous rencontré C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, alors, déjà, on va écarter un cas qui était fréquent autrefois, qui est peut-être moins aujourd'hui. Un homme euh, qui est en couple légitime et qui a euh, une relation extraconjugale euh, et euh, la, la maîtresse euh, tombe enceinte. Qu'est-ce qu'il fait C'est peut-être là déjà oh, un oui, cas bon. qui complique euh, la reconnaissance. Je le mets de côté parce qu'aujourd'hui, chez les plus jeunes, la question de la paternité, c'est plus ça, c'est vraiment la précarité. Euh, donc, <coughs> la reconnaissance paternelle, elle dépend de la nature de la relation. Est-ce que c'est la relation principale ou une relation extraconjugale Elle dépend des, des, du, du, de la situation économique euh, des parents, euh, puisque bien souvent l'absence de reconnaissance peut être euh, un enjeu pour les allocations, je l'ai dit. Elle dépend euh, du statut de la relation, c'est-à-dire est-ce euh, que euh, on est en couple, or euh, par exemple chez les plus jeunes. Les, ça je l'ai pas dit parce que je vous ai dit que ça serait un séminaire à part entière, mais aujourd'hui une, une, une majorité d'enfants naissent de couples qui ne cohabitent pas. C'est-à-dire que chacun est euh, dans un logement différent et souvent chacun est chez ses parents ou chez sa mère, la plupart du temps. Et la mise en couple euh, succède à la naissance de l'enfant, c'est-à-dire que les familles sont monoparentales avant même d'avoir euh, vécu de la cohabitation. La monoparentalité précède la conjugalité euh, et euh, n'est pas, forc pas forcément liée à une séparation, mais elle est parfois, parfois là avant même la mise en couple. Donc, la question de la reconnaissance, elle est liée effectivement à, 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 au statut de la relation. Après, la question de la reconnaissance peut être liée à ce que vous appelez probablement l'état de la relation. C'est-à-dire, est-ce que les parents s'entendent Est-ce qu'ils sont d'accord S'il y a un conflit entre eux, s'il y a de la violence s'il y a euh, un, un, un enjeu pour que ce soit la mère qui euh, prenne en charge l'éducation, parce qu'elle euh, elle met à l'écart le père ou elle le disqualifie. Euh, et donc, elle ne veut pas qu'il le reconnaisse. Et elle va dire certaines femmes, d'ailleurs, quand les pères reconnaissent néanmoins leur enfant contre la vie de la mère, disent, euh, se plaignent en disant Je veux qu'on qu enlève le son. C'est-à-dire que c'est mon enfant, il doit porter mon nom. Il faut enlever le nom du père. Euh, c est, c est, c est, ça montre combien, d'un point de vue symbolique, vous voyez, c'est euh, compliqué. Je ne sais pas si ça répond. À la question c'était l'État et ah oui des questions sociales, mais ça je l'ai dit aussi. Euh, et puis ah oui des questions, le parcours social de l'enfant. Oui oui oui. Alors là euh, moi j'ai travaillé à la Maison des Adolescents en 2018 et 2019 et euh, c'était assez intéressant de suivre euh, les dossiers euh, des les professionnels et c'est vrai qu'il euh, peut y avoir un éloignement du père quand euh, il constate que euh, le, fils est en, le fils ou la fille est en difficulté. Alors la première des difficultés, c'est si l'enfant a des problèmes de santé euh, ou des problèmes de handicap ou autre. On sait que euh, ça, ça éloigne le père ou les difficultés de santé de la mère. Malheureusement, les hommes restent moins aux côtés d'une conjointe en difficulté que l'inverse. Que Et ça peut être... Euh, alors, je ne sais pas si c'était la question, mais euh, il peut y avoir aussi euh, chez les jeunes des manifestations, des problèmes sociaux, des problèmes de délinquance qui peuvent être parfois, pas toujours, mais en lien avec euh, euh, une colère liée du fait de ne pas avoir été reconnue par le père. Et euh, j'ai dit dans mon rapport que euh, euh, l'absence de reconnaissance peut être euh, vécue douloureusement par les enfants. Euh, qui se mettent eux-mêmes en danger parfois, surtout les garçons. Enfin, les filles se mettent en, en danger et se, se retournent la violence contre elles, et les garçons euh, l'extériorisent. Et que l'absence de reconnaissance au sein de fratrie où il y a des pères différents, ça peut donner lieu aussi à de la rivalité, de la jalousie entre les enfants. Si l'un est reconnu par l'autre, si l'un va chez son père le week-end et pas l'autre, vous voyez, ça peut donner lieu aussi à des rivalités. Si en plus les enfants ne sont pas de la même couleur, ajoutez des problèmes de colorisme dans les fratries. Ça, ça a fait euh, des dégâts. Euh, prochaine question. Quand vous parlez de droit au, pla au plaisir sexuel, qui peut accorder ce droit Ça ne de... serait pas plutôt une mentalité à construire Bien sûr, mais je pense que j'étais je, je, provocatrice en disant que le droit, c'est euh, le droit de laisser les femmes. Enfin, c'est arrêter la condamnation morale. Cette condamnation morale, elle vient souvent euh, des différentes églises qui voient du vice, et donc euh, qui peut l'octroyer, ben un discours religieux qui serait euh, plus clément, mais c'est peut-être une utopie, et euh, une société qui serait euh, moins accusatrice sur la concernant la liberté sexuelle des femmes. C'était effectivement des mentalités. Euh... Euh, alors, à changer si les gens le veulent, hein, parce que peut-être que ça, ça convient à tout le monde. Hein, mais moi, je dis toujours, je, je fais des études sur tout ça parce que ça pose problème et j'y vois de la souffrance. Les gens souffrent. Donc, pas. je ne veux pas être normative. Hein, C'est juste parce que quand il y a de la souffrance, qu'est-ce qu'on fait euh, Après, il y a une question sur les différentes références bibliographiques. Où est-ce qu'on peut les trouver À qui s'adresser euh, Vous pouvez m'écrire. Euh, vous pouvez m'écrire euh, univ 2fr Tu vas euh, alors Fred nous dit qu'il le mettra dans, le, sur le, oh, dans, le, dans la description de la vidéo quand elle sera en ligne mais sinon regardez euh, sur, euh, sur internet vous cherchez ma, ma page euh, universitaire et vous allez trouver mon adresse m'écrivez j'essaierai de vous répondre Près, prochaine question concernant la particularité du rapport homme-femme aux Antilles. N'y a-t-il pas implicitement une acceptation mutuelle des situations Chaque partie Isabelle. pense avoir un avantage non négligeable. Aussi, tout changement implique aussi bien les femmes que les hommes car les deux sont victimes, emprisonnées dans un schéma. Je oui, pense. Isabelle, c'est important cette question parce que, effectivement, euh... Les... Il y a aussi un discours des femmes, qui, euh, c est, c est, ça c'est dans l'article que j'ai publié là, dans la revue Recherche féministe, des femmes qui pensent que justement comme euh, c'est elles qui détiennent l'autorité euh, domestique, euh, en tout cas sur les enfants, et puis qui, qui règlent les comptes sur l'oreiller en fait, hein, euh, qu'elles auraient un avantage, elles auraient des privilèges et que du coup euh, elles ne seraient pas soumises, au contraire elles auraient cette capacité à, à négocier, à se défendre. Et euh, c'est possible hein, pour certaines. Je n'ai pas un discours uniformisant. C'est possible que certaines aient ces capacités, mais pas toutes. Mais en effet, le discours sur les femmes guadeloupéennes insiste sur le fait qu'elles auraient des capacités, des privilèges, et qu'on n'est pas du tout comme en France, parce que là, il y a euh, voilà des femmes fortes, puissantes, et euh, les hommes de leur côté euh, défendent certains. Certains privilèges, entre guillemets, souvent euh, liés à, à la sexualité, liés à leur liberté, liés à leur, euh, leur présence dans l'espace professionnel, moins chez les plus jeunes peu diplômés. Et donc, oui, il euh, y, y a comme un. Tu as... Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Isabelle. C'est-à-dire qu'il y a une, un maintien dans un schéma où chacun pense être, avoir des privilèges. Et du coup, un schéma qui se reproduit en plus au nom de la culture. Il y a, il y a... <laughs> des questions personnelles, du coup, c'est uh, La première question, c'est Il y en a bah, Là, il n'y en a plus. Uh, première question, c'est Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de féminicides uh, dans les Antilles françaises, en Guadeloupe spécifiquement et en Martinique, uh, comparativement à l'Hexagone Ou pas du tout Et la deuxième question, ce serait sur uh, la montée en puissance. Uh, concernant la nouvelle génération de pygmies. Je ne sais pas si c'est un terme que vous avez déjà entendu. C'est euh, des femmes qui euh, souhaitent euh, l'approbation euh, du regard masculin, qui souhaitent justement euh, rentrer dans, dans le groupe des hommes, être bien vues. Ah oui, j'ai vu ça. Il y a quelqu'un, il y a, y a, un, y a, une, y a une, une personne comme ça en Martinique qui a fait... Euh, Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Euh, et alors la question sur les pygmies, c'est quoi euh, comment on peut expliquer euh, du coup cette nouvelle émergence de Pikmi euh, par rapport à la nouvelle génération donc des jeunes femmes euh, qui souhaitent absolument l'approbation euh, des hommes. Mais l'approbation pour faire quoi Pour euh, bah, la, la réputation, pour être bien vu de, des autres femmes, pour euh, se dire qu'elles sont très importantes, j'aurais dit euh, l'ego. Des femmes ou des hommes, j'ai pas compris qu'elle soit bien vue par les femmes et également par les hommes qu'en gros c'est euh, pour la réputation pour qu'elle soit bien vue ok alors je ne connais pas suffisamment pour non, pouvoir non. répondre là alors là vous voyez ce genre de questions ça me fait prendre un coup de vieux tout de suite <laughs> je vois qu'il faut des jeunes pour travailler sur les jeunes maintenant euh, non je sais pas je peux pas répondre là je peux pas répondre la première question par contre c'était le... sur les féminicides alors euh... <coughs> pendant euh, pendant plusieurs années il y avait un... Un taux de féminicide important euh, en Guadeloupe euh, qui a baissé pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il y a eu un maillage de surveillance euh, mis en place grâce à une coopération entre l'unité médico-judiciaire, donc qui est euh, l'unité de médecine légale et de victimologie euh, au CHU, qui avait été mis en place par un médecin dont j'oublie le nom présentement, ça va me revenir. En, donc un partenariat entre l'UMJ, <coughs> la police. Et euh, le procureur pour repérer pour, et, enfin, avec une grille euh, une grille d'indicateurs euh, concernant euh, les violences subies par les femmes qui le reçoivent donc elles ne sont pas encore mortes on est d'accord hein. euh, donc des, des femmes qui vivent des violences une grille qui va estimer l'indice de gravité des violences et quand cet indice est supérieur à un certain chiffre il euh, y a une alerte lancée euh, à la police et au procureur pour intervenir auprès euh, de l'auteur. Et donc ça, ça a permis de, de, de limiter les passages à l'acte et ça a permis de faire euh, reculer le nombre de féminicides. Autre chose, c'est la campagne de dépôt des armes qui a eu lieu il y a déjà euh, maintenant presque une dizaine d'années qui avait permis aussi de faire reculer les passages à l'acte. Alors je voudrais dire une chose parce que ça serait euh, des choses à dire sur la question des violences, mais si vous l'avez peut-être constaté, les féminicides sont des crimes de destruction massive. C'est euh, c'est important de le rappeler, c'est des crimes de destruction massive. Les femmes qui sont tuées ne sont pas ne sont pas tuées comme les hommes. Les hommes entre eux se tuent. De façon, j'ai envie de dire, plus light que quand il tue une femme. C'est-à-dire que les, le, le corps des femmes est massacré. Elles ne sont pas seulement poignardées une fois, mais ça peut être 50 fois. Elles prennent pas euh, une balle. Euh, elles, en, elles en prennent plusieurs. Et en plus, elles sont euh, poignardées ou brûlées ou euh, fin, voilà. C'est vraiment. Enfin, les médecins légistes disent les féminicides, c'est vraiment des crimes de destruction massive. Donc par rapport à ça, euh, voilà, il y a eu un recul. Et maintenant, quand il y a un féminicide, euh, il n'y en a peut-être qu'un par an. Je n'ai pas les chiffres là. Il ouais, faudrait regarder les chiffres. Mais euh, c'est assez... Oui, assez intolérable. Mais euh, c'était pas... les féminicides et les violences euh, qui avaient des taux bien plus élevés euh, jusqu'à il y a quelques années aux Antiques que euh, dans l'Hexagone. <laughs> Il n'y a pas d'autres questions. Donc vous euh, avez... Arrivons... Est-ce que... Euh... Oui. oui. Oui, non, je voulais dire. Est-ce que ça a été... Est-ce que vous avez... Est-ce que j'ai été claire Est-ce qu'il y a des choses à préciser, même si ce n'est pas des questions ou tout va bien Les gens sont partis. Ils sont peut-être en train de faire autre chose. <laughs> ouais. C'est toi qui le dis, hein que ça va être mis en ligne oui. hmm. euh, C'est écrit que tout va bien, euh, que c'était très intéressant. Bon, eh ben, merci beaucoup, merci de votre patience, merci d'être euh... encore là, merci. Euh... Donc nous arrivons malheureusement à la fin de cette séance sur les inégalités femmes-hommes en Guadeloupe. Euh, N'hésitez pas à voir la... la vidéo qui sera justement republiée sur le YouTube du CAGI euh, nous avons eu le plaisir euh, d'avoir avec nous euh, Stéphanie Mulot, euh, qui nous a permis de voir justement les, les perspectives, euh, les moyens employés pour justement réduire euh, les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc euh, merci à tous et euh, passez une bonne fin de journée. Je vais juste euh, conclure en disant qu'évidemment la question, euh, enfin, le, le titre, pour en finir c'est un, un idéal, un objectif que euh, peut-être j'espère pas une utopie, mais euh, voilà que c'est l'affaire de toutes et tous. Euh, et en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été présent, présente et euh, à bientôt. et, et j'espère que c'est une vidéo qui aura euh, un bon nombre de vues pour le casji <laughs> au revoir à toutes et tous.